allez bien. Donc oui, je suis toujours habillé pareil. Oui, c'est la même journée. Et alors, d'accord, aujourd'hui, on est pumped up, on fait 3 vidéos, on est chaud patate. Donc aujourd'hui, je suis avec mon ami Brian, enchanté. Bon, enchanté, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Je le répète, ça fait 2 fois. Donc aujourd'hui, petite présentation d'une Ford Fiesta ST du Seigneur. Je dis bien du Seigneur parce qu'elle fait un bruit du diable. Donc je vais vous faire, comme la vidéo précédente, comme la Golf, un petit tour, une petite présentation, un petit passage sur la route. Et puis je vous dis à tout de suite. Alors dis-moi mon petit Brian, donc on se retrouve devant ta petite Ford ST. Donc petite Ford Fiesta ST, je précise parce que j'ai déjà filmé une Focus ST. Donc aujourd'hui on est sur une Fiesta ST. Dis-moi en plus s'il te plaît, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'elle est d'origine, les autocollants, tout ça? Dis-moi en plus. D'origine, niveau moteur, oui, aucune prépa, rien. Un filtre air BMC pour éviter de le changer à chaque fois. Les petits stickers, que ce soit le Honigan, le ST en haut, le ST derrière. À part ça, les liserés de jantes, les coques de rétro fait par mes soins. D'accord. J'avais rien à faire. C'est toi qui les as fait? Ouais. Ok, très chouette. À part ça, rien de spécial, une ligne, un petit tube, un gros tube. Donc, suppression du silencieux principal et de l'intermédiaire, toujours avec le catalyseur parce que sinon c'est pour la guerre. D'accord, donc là, alors on va entendre que c'est la guerre effectivement et tu as encore donc le catalyseur. Ouais, parce que sinon ça fait trop de flammes. Je vais essayer de... Ouais, tu peux voir dans le fond, on voit très bien. Effectivement, il y a une belle suppression silencieux, effectivement. Tu es sur du tube inox? Ouais, c'est un ami à moi qui le fait sur mesure. M-Motors. D'accord. Pour ceux qui cherchent, dans le 05. M-Motors, ok. À part ça, le petit sticker ST là, les liserés de jantes aussi que j'ai fait. Et à part ça, il n'y a rien de spécial à l'intérieur, rien du tout. Donc il manque un bas de caisse, mais. Ok. Dit la voiture rare, dit que les pièces sont rares aussi. Donc, c'est sûr. Alors. À part ça, rien de spécial. Je vois que tu connais ta voiture sur le bout des doigts. Tu m'as cité tout ce que tu avais fait. C'est formidable. Moi, je vais te poser une petite question. Jantes d'origine? Oui. Ok. Pneus, tu nous as mis quoi? C'est les pneus que j'ai eu quand j'ai acheté la voiture. Donc des Pirelli P0. D'accord. À l'avant et à l'arrière, je sais pas ce que c'est. Juventus. C'est ce qui était avec la voiture quand tu l'as eu? Ouais, c'est quand j'ai acheté la voiture, il y avait ces pneus là. D'accord. Ils ont encore changé. Et donc vu qu'on parle de l'achat, quand tu as acheté la voiture, tu as voulu cette voiture là ou tu es tombé par hasard et tu t'es dit bon bah je vais partir sur ça? Non, moi j'hésitais entre trois modèles. D'accord. Audi S3. Ouais. Les premiers modèles, les 8L. Ouais. Après la Ford Fiesta ST. Et j'hésitais aussi avec les Saxo VTS. D'accord. Et je me suis dit, pour chercher l'originalité, un modèle qu'on voit peu, donc je suis parti sur la ST. D'accord. Donc tu hésitais entre trois modèles, mais la ST faisait partie des modèles que tu hésitais. Voilà. C'est une voiture que tu es allé chercher loin? Pas loin de la Suisse. C'est un modèle français. D'accord. Vous êtes passé le maudit donc. Là-bas, vous êtes allé la chercher en Suisse, ici en Suisse. Il y a des bons coups en Suisse, hein, on va finir par y aller. Non, pas en Suisse, en France, hein, quand même. Au lac Léman, exactement. D'accord. Juste avant la Suisse. Juste avant, ok. C'est ça. Donc, c'est une voiture, donc t'as voulu, tu l'as trouvée donc sur les réseaux qu'on connaît courant, le Bon Coin, ouais, ce genre de choses. Et quand tu l'as acheté, est-ce qu'il y avait tout ça ou quand tu m'as parlé, parce que vu que tu as énoncé très rapidement le filtre et la ligne, ou c'est bien toi qui a fait non, ça Moi, quand j'ai eu la voiture, elle était stock. D'accord. Il manquait une jante. Ok. Parce que le propriétaire d'avant en avait fissuré une et il l'avait jetée. Ok. Donc j'ai retrouvé la quatrième jante d'origine. J'ai refait les plastiques aussi. Ils ok. Ils ont avec le temps. Les optiques, c'est des optiques phase 2. Parce que la voiture est une phase 1. Mais pour que ce soit plus esthétique, ça passe plus récent, j'ai pris les phases 2. D'accord. Donc, moi, quand je l'ai eu, j'ai changé les optiques. J'ai refait la calandre avant, les deux. Ok. Le diffuseur arrière. Ok. Pour qu'il soit plus propre. J'ai fait les coques de rétro en covering, j'ai fait le petit liseré autour du volant, j'ai recherché la quatrième jante, ça a pris 7 mois à la trouver. D'accord, ouais, donc on voit que les pièces sont compliquées à trouver. Ouais, voilà. Donc jante d'origine que tu as retrouvée. Ouais, c'est une galère. Et après l'autocollant Honigan, les deux ST, après j'ai rien fait de plus avec la ligne et l'échappement. Quand je l'ai eu, elle était stock. D'accord, donc c'est vraiment toi qui l'as fait à ta façon, dans ton style. Okay. Et elle n'est pas terminée. Donc ouais, tu as encore des petits projets, tu m'expliquais dessus. De toute façon, une fois que ces projets seront finis, ben, on reviendra dessus, hein. Ça fera l'occasion de se revoir. Est-ce que tu peux m'ouvrir l'intérieur, s'il te plaît? Yes. Est-ce que c'est un intérieur d'origine? Est-ce que tu as fait... L'intérieur, c'est tout d'origine, sauf les D'accord. tapis, parce que je voulais des trucs qui se lavent facilement, vu que c'est mon daily. D'accord. Oui, donc je t'en sers en daily, c'est bien de le préciser. Après, je suis en moto de base, mais bon. Oui. Quand tu peux, je sors pas la moto, je sors celle-là. D'accord. Donc, pour son âge, elle est encore assez propre. Elle a 193 000 km. Elle est très très propre. Les cuirs sont très bien entretenus. Tu as mine de rien de la place pour quand même une 3 portes. Les petits logos ST sur le cuir. D'origine, aussi. D'origine qui sont magnifiques. Les cuirs, on voit qu'ils ont été traités. Ils sont très propres.
Et donc ouais, c'est ton daily. C'est ça. J'ai voiture, donc, vu que c'est ton daily, je vais te poser la question. Consommation. Là, je suis à l'éthanol. D'accord. Je passe à l'éthanol avec un boîtier et tout homologué. Donc tu nous as pas tout dit. Donc tu as fait un stage 1 dessus ou pas du tout? Non, juste éthanol. Juste éthanol. Ok. Parce que sinon, ça faisait 60aine d'euros le plein pour 200 bornes. Donc je suis entre 10 et 20 litres minimum. Ok. En tapant ou en faisant du tranquille? C'est rare que je roule tranquille avec. D'accord. Ok. Ok. Donc, et là, à l'éthanol, je fais plus de bornes. On est sur un jeune fou, les amis. Donc avec l'éthanol, combien tu fais? Je fais 300 bornes du coup maintenant. D'accord. J'ai gagné 100 bornes, mais bon, mes bougies étaient fatiguées, donc ça joue aussi beaucoup sur ça. Ok. Normalement, on devrait avoir une surconsommation, mais bon, mes bougies étaient trop fatiguées. Donc là, je fais un peu moins de bornes que si elles étaient neuves en 98. Donc moi, ça me va, ça fait un petit milieu de 300 km. Et tu fais combien 25 euros le plein. 25 euros, 300 km. Voilà. Eh ben, effectivement, ça vaut le coup. Effectivement. Bornes, et puis, tu as pensé à la planète? Tu roules à l'éthanol? Oui. C'est surtout pour le canton banque. Cacher, elle a un beau petit cul, j'aime beaucoup. Je préfère le cul que la ronde, perso. Donc. Ah, mais ça me rappelle une copine, je préfère son truc. C'était le problème. Ouais, un peu. Niveau freinage. Ça freine vachement bien. C'est d'accord. D'origine. D'origine. Ouais, mais ça freine vachement bien. Après, c'est léger, ça fait une tonne 137. Ouais. Une tonne 37. Tout ok. Plein tout plein fait. Ah oui, donc c'est léger, ok, ouais. Après, peut-être que je me trompe à vérifier. Mais ouais, ça freine. Après, c'est léger, du coup, ça freine vachement bien. Ça marche bien. C'est des voitures qui sont de base, sortent plus de chevaux. Ce qui a annoncé, d'accord. D'ailleurs, en parlant de chevaux, je te coupe, mais dis-moi les chiffres d'origine, si tu les intègres. 150 chevaux. 150 chevaux. Newton-mètre, je sais pas. Et 150 chevaux, là, tu as pris avec la ligne d'admission ou tu as pas vérifié? Je sais pas, j'ai pas vérifié. J'ai jamais passé d'accord. La voiture au banc encore. Okay. Ce que je sais, c'est que le compteur affiche 240 et elle est prête sans problème. D'accord. Donc, ok. Sur, on précise bien, sur l'autoroute allemande. Hein, voilà, là où c'est légal. Voilà, on n'est pas des jeunes délinquants, on fait tout dans la légalité. Pas du tout. Hein. Par contre, on est sur un jeune fou, ça c'est sûr. C'est donc je refilme les petites coques de rétro que tu as fait, j'aime beaucoup. Le petit autocollant, Hoonigan, qu'on retrouve aussi sur la Ford ST Focus de Bain. Voilà, exactement. Moi je suis bien content, ça n'a rien à voir, mais je suis bien content de mes cache-plaques. Ils vont bien avec l'autocollant Hoonigan qui est holographique aussi. C'est ça. Donc je reviens sur c'est les feux que tu m'as dit qui étaient de phase 2. Les phares, ouais, les optiques. Qu'est-ce qui change honnêtement? C'est le juste le look ou non, au niveau? En fait, les optiques phase 1, le look il est différent et ils sont plats en fait. Il y a pas la petite boule. D'accord. Là. Et bon, après ils avaient 15 ans quoi, donc ils sont plus vieux. Donc j'ai préféré passer en phase 2. Ça s'adapte parfaitement. Il y a rien qui change. D'accord. C'est le même, tout pareil. Donc ça fait plus récent, ça donne un peu plus de petit coup de jeune à la voiture. D'accord. Malgré ses 16 ans, donc. C'est formidable. Je ne sais quoi dire. Je crois qu'on en a dit beaucoup. Ouais. Je crois que tu es vraiment opérationnel. Je crois que je vais te surnommer le jeune fou. Du coup, on va partir. Ben, je vais faire 2-3 plans. Hein. Ouais. Et puis après, tu vas me faire faire un petit essai. Voilà. Et puis, je me mettrai sur le bord. Un petit passage, comme d'habitude. Petit passage du Seigneur. Est-ce que tu peux nous la démarrer avant tout ça, oui, s'il te plaît? Est-elle chaude? Oui, toujours. Bon. Allez, on précise, parce qu'avant qu'on reçoive des commentaires, vous êtes des malades, nanani. Calmez-vous, je vous vois venir. Waouh, Taras, j'étais trop près. Attends, où est-ce que je vais me mettre? Je te laisse décider de si tu vas. Ben c'est pas. Je crois qu'on va aller tourner cette vidéo avant que la gendarmerie arrive. Alors, dis-moi, mon petit Brian, on a oublié de faire quelque chose. On a oublié d'ouvrir ce petit capot. Bon, c'est plein de tout. Plein de cash. Bon, je veux quand même l'ouvrir. Donc. Bon, il n'y a que ça. Enfin, ça, c'est la boîte arrière. Ok. En plastique avec ça. Et du coup, il y a le boîtier éthanol aussi. Ouais, Flex Flux. Bioflex. Donc toi tu l'as fait en boîtier et pas en gestion. C'est ça, parce que du coup la voiture est trop ancienne en fait. Ouais. Donc la sonde elle la calcule mal et. Donc tu pouvais pas le faire en gestion, t'étais obligé de le faire je en boîtier. Mais ouais. À mes risques et périls. D'accord. Donc ok, non. Prendre de risques. Et au moins ça me l'État rembourse 250 boules sur ça. D'accord. Ça coûte plus cher, mais j'ai tout accès sur j'ai l'application et je peux voir s'il me reste de l'éthanol, je peux voir s'il y a un démarrage chaud. D'accord. Démarrage à froid, la température. Ouais, c'est d'accord, c'est vachement bien. Ouais. Moi c'est ce que j'expliquais.
Du coup, pour notre cher Sirocco, vu qu'il a l'éthanol aussi, mais je vais dire à mon avis que c'était dans sa gestion, dans son calculateur, parce qu'il n'a pas le boîtier. Ça, j'étais obligé avec le boîtier, il y a une cendre exprès en plus. D'accord, donc c'est pas été ton choix, c'est vraiment une obligation. De base, je devais faire la reprog, mais quand on m'a dit que c'était un peu risqué. Ouais, t'as bien fait. J'ai dit l'année de la voiture, le kilométrage surtout. Ouais. C'est. Voilà. Donc c'est pareil, je vais tout faire chez Motors Garage Gap. Ok. Et je crois que c'est Biomotors aussi le nom. Ouais. Donc voilà, c'est. Donc si voilà, ceux qui veulent aller voir, donc allez-y. C'est quelqu'un de que tu conseilles du coup, frérot? Ah oui, énormément. J'ai toujours son sticker, c'est un ami à moi et. D'accord. Rien à dire. La ligne, c'est lui qui fait. L'entretien, c'est lui qui fait. Ok. Il y a personne d'autre qui touche à la voiture. Ok, d'accord. Parce que moi, je suis sûr que c'est. C'est carré. Fait, voilà. Pas de soucis. Eh ben écoute mon frérot, je te remercie. Voilà les amis, donc on se retrouve à l'intérieur de la petite Ford Fiesta ST. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur, comment c'est. Voilà. On est parti pour faire la petite vidéo, j'espère que vous m'entendrez. Parce que... Ça fait un peu de bruit. Elle fait le bruit de l'enfer carrément. Je viens de filmer mes gros doigts carrément. Elle fait le bruit de l'enfer. Notre ami jeune fou a le diable en tête. Tu as bien raison mon jeune ami. Les plastiques sont entretenus, je vois que. Dis donc, ça brille, c'est propre, j'aurais pas pensé, tu vois. Chaque sortie, elle est lavée. Pourtant c'est mon daily. Très soigneux, très soigneux. Voilà, donc je vous ai montré un peu l'intérieur. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Un petit truc, ça c'est du liseré de jante. D'accord. Je voulais mettre un petit truc. Ok. Pour l'anecdote, il y en avait un, il était pas centré, il y en avait deux, c'était toujours pas centré, du coup j'en ai mis trois. D'accord. Donc, et t'as réussi à le centrer? Ouais voilà, au bout de trois, heureusement quand même. Au bout de trois, ouais. Mais okay. À part ça, non, à l'intérieur, rien de spécial. C'est tout d'origine. T'as 16 ans, quoi. D'accord. Non, mais c'est très bien. Donc, faut préciser, c'est ta première voiture? Non. J'ai une 206 2 litres HDI. D'accord. Une Audi A3 1.9 TDI. Ok. Et après, j'ai quitté le monde du mazout pour prendre quelque chose qui fait un peu plus de bruit. D'accord. Oui, donc tu es. Parce qu'il faut préciser, les amis, qu'il est donc en jeune conducteur. Mais il peut quand même se faire plaisir sur cette petite voiture. Donc, c'est pour ça que je précise qu'il est en jeune conducteur. Parce que des fois je reçois des petits messages, qu'est-ce que tu me conseilles comme voiture, tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Après en première voiture, peut-être faire attention parce que ça fait quand même 150 chevaux. C'est traître, c'est donc, traître. Ouais, c'est léger, c'est... Ouais, donc ça doit quand même un peu marcher. Donc je vous conseille quand même de partir sur quelque chose d'autre. Fais le tour, on va aller à droite. Ouais. Je vous conseille de partir sur quelque chose d'autre quand même. Mais voilà, notre jeune fou, tu peux aller à droite si tu veux. Notre jeune fou a déjà eu deux voitures au passé. Donc voilà. C'est fait une petite, un petit plaisir, voilà, c'est un petit plaisir. Donc bon les amis, je vais arrêter de parler parce que je me saoule tout seul. Ça me rappelle une copine, elle me saoulait quand on parlait aussi, monsieur. Je vais ouvrir les vitres avant de décéder parce qu'il fait très chaud. Ouais, et je vais filmer un peu ma tête par la suite. Allez, à tout. Donc le petit protège ceinture aussi ST, j'aime beaucoup. J'espère que vous m'entendez parce qu'on a ouvert les fenêtres. Et entre le bruit et l'air... C'est compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. Mais là, je vous assure, j'ai très chaud, c'est la guerre. J'ai gardé le petit pull pour vous montrer, voilà, le petit investissement. Mais je vous jure que je vais me mettre en t-shirt. Ah, il faut, là. Et dessus, donc, sur la ligne, est-ce que tu as mis un pop and bang? Non, du tout. C'est tout d'origine, les retours. D'accord. Donc, les amis, vous vous rendez compte que le pop and bang qu'il a, c'est d'origine. C'est-à-dire, il a fait donc une demi-ligne, enfin, une suppression de silencieux, pour être plus exact. Et il a des retours... Comme ça, enfin je veux dire, bon, il y a le filtre aussi qui doit aider. Ah non, c'est beau. Non, même avec le filtre d'origine, c'était pareil. D'accord, ok. Ah ouais, c'était la guerre. C'est étonnant parce qu'elle peut se douter s'il n'y a pas des flammes des fois. Ah ben tout à l'heure, t'étais pas là. Mais est-ce que tu es sûr qu'elle n'a pas été reprogrammée cette voiture? Sûr, non. Parce que l'ancien propriétaire, c'était deux vieux, donc deux personnes âgées. Je pense pas qu'ils se sont amusés avec. D'accord. Je peux peut-être me tromper, hein, mais. D'accord. Après, moi je trouve qu'elle marche fort, mais le truc là, j'ai parlé avec d'autres processeurs qui en ont. Ouais. Ils m'ont dit c'est des voitures qui marchent vachement fort quand même de base. D'accord. C'est traître, c'est léger, c'est maniable, ça tient bien la route, mais faut pas faire le con avec moi, elle pardonne pas. Très peu. Là, si tu veux ralentir et nous faire une petite accélération en restant à 80 km/h, bien évidemment. Attends, je vais fermer la vitre pour qu'il m'entende. Ce jeune fou
vient de planter les freins sur la nationale pour me montrer comme ça freine pas. Je vais me manger le tableau de bord dans la tête. Airbag, ça aide. Oh, je n'y m'attendais pas du tout. Je pense qu'ils ont dû voir ma tête. Ah oui. Après, ils m'ont montré que c'est une voiture qui freine vachement bien. Après, c'est léger, ça aide. Ouais. Sans forcément modifier. Moi, je connais des gens qui ont foutu des turbos dessus. Je connais quelqu'un qui est en train de faire un swap avec un moteur d'ST200 dessus. Mais d'accord. Là, ça devient 400 chevaux dans 800 kilos. Quoi. Ouais, ok. Ça devient un peu trop. Ça devient dangereux. Ouais, votre gars, c'est dangereux. Jeune fou. Je crois que vous êtes tous fous dans le coin. Ah, c'est ça. Bah, on profite. Hein. Vous avez bien raison. Route, on a profité tant qu'on peut. Là, on va arriver donc dans un. Tu vois, on va redescendre et après à droite, tu pourras t'arrêter. Tu vas me laisser là et comme ça, on fera 2-3 passages pour nos amis. Je vais vous laisser parce que je suis pas sûr que vous entendez tout ce que je raconte. Et on se retrouve tout de suite au bord de cette petite nationale, les amis. A tout de suite. C'est la ST du diable, les amis. Jeune fou, peux-tu nous faire quelques accélérations dans le vide pour mon plaisir ? Formidable. On est bien là. Ouais, on sent le pied là. Bon les amis, je suis tombé sur un vrai fou. Attention, on a respecté les limitations à 80 km/h, bien évidemment. Là c'est bon, tu peux aller rentrer la voiture pendant une semaine. Non, c'est ce qu'elle fait. C'est normal. Ouais, ça fait pas les deux autres. Parce que voir un jeune dedans, ça. Même les motards, ça les chauffe à prendre un vieux boulot en motard. Ouais, ouais. Et je roule dans les deux choses pour la faire péter. Je trouve ça trop agréable, c'est un plaisir auditif. Ah, mais c'est. Là aujourd'hui, c'est tout plaisir pour ma part. C'est. Bon, les amis, je vais. Les amis, je vais vous laisser sur ces belles images. J'espère à très vite, à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer des messages quand vous avez des voitures à présenter ou quoi que ce soit d'autre. En ce moment, je présente pas mal de voitures parce qu'avec le boulot, c'est compliqué de tout gérer. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Il n'y a pas que des présentations. Et n'hésitez pas à me contacter, ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens passionnés comme Brian, comme toute la team. Je vais les appeler les jeunes fous. Voilà, ça fait vraiment plaisir de discuter avec eux. En tout cas, moi je vous dis à bientôt les amis. Likez, abonnez-vous, partagez parce que franchement c'est pas évident. Je me donne vraiment à cœur souhait si je peux dire ça comme ça. Et ça fait plaisir d'avoir des retours. Et je vous dis à bientôt. Allez, à très vite. Ciao Brian. Ciao.